Bien, alors, je voudrais voir la... Ah, oh, mais du coup, ça m'a pas mis la... Je crois que je vais être bloqué pour chercher ce que j'ai à chercher. Bon, il y a toujours cette case verte là. Alors, déjà, occupons-nous de cette mini-map de Itorash. Il n'y a pas grand-chose à chercher ici, je pense. Ça va être très rapide. Donc, on active le pouvoir des secrets. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On va pas aller voir le boss, non. Hop là. Voilà, il n'y a rien. Tout le monde est témoin, il n'y a rien, on se casse. Ici, il n'y a pas de bloc caché non plus. Alors non. Je sors d'une sauvegarde, je n'ai pas re-sauvegardé. Il n'y a rien de caché. Rien de caché ici. Et il n'y a rien de caché. Voilà, bon, Itorash c'est fait. Du coup, ici ça va vers Anubia. On y va. Sachant qu'il manque un TP. Hein. Il manque le TP Scient. Que j'ai pas trouvé le deuxième TP Scient. Ça serait bien de le trouver. Très bien. Je les ai récupérés ceux-là ? Oui. Apparemment, je les ai récupérés. Ces blocs là par contre je sais pas, je les comprends toujours pas. Ah, attendez. C'est pas comme ça. Non, je les comprends pas. Les blocs là comme ça, je ne les comprends pas du tout. Je sais pas. Ah, attendez, ou alors. Ouais mais. J'allais utiliser une grande bombe, mais... Bon, en vrai, si on cherche, si on réfléchit autrement, où est-ce qu'il y a des choses cachées ici? Là, il y a plein de blocs accélération. Donc on va aller là-bas. C'est verrouillé.
ouvert le machin là? Oui, il est ouvert. Ici. Je sais plus ce que j'avais fait là-haut là. Il y a bien une salle en bas là, par contre. Que j'avais cassé. Oh, je rayon. Pardon, je sais pas. Il y a un truc là en plein milieu. Ça, c'est une salle aussi ici là. Pourquoi est-ce qu'il y aurait ce machin sinon? Ça n'a rien fait, parfait. Je peux sortir s'il vous plaît? Non, je ne peux pas sortir. Bon, on refait pareil. Ça n'a rien fait du tout. Non plus. Alors là, comment accéder ici? Comment accéder à la salle d'en bas là? J'espère pas que les patients y soient. Aucune raison pour que ce soit là aussi. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et là, ça paraît, ça je sais pas à quoi ça sert. Hein. Voilà, et là, ça n'a même pas cassé ces blocs-là. À quoi servent ces fichus blocs? Des blocs accélération, ok d'accord, mais pourquoi? Étrange. Bon, on s'en va. Priorité, le TP sien. Je sais pas du tout. Il y avait un ascenseur pour se rendre là-bas, attendez. Bah oui, en effet. Demi-tour. Demi-tour en fait. On va s'éviter deux ou trois chargements, on va en prendre qu'un seul.
Alors, côté patient, il est ici. Il y a un truc à ouvrir là, de ce côté-là. Donc il y a des blocs. Mais non, c'est pas un TP science, c'est un marqueur, ça, je suis bête. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des blocs à casser ici. Il y a un bloc accélération ici qui va sûrement vers ça. Je sais vraiment ces blocs-là spécifiquement d'accélération, je sais pas les utiliser, j'ai jamais su. Et le TP science, il est où? Il y a aussi une module d'énergie là que j'ai jamais récupéré. Ah, il est là. Là, il y a des blocs bombes et de. Ah, punaise, c'est ici qu'il faut que j'aille. Faut que j'aille ici. Et je suis là-haut. Donc, à gauche. Ah non, je passe. C'est là-haut ici. J'y arrive, oui. Merci. Allons, voilà, nouvelle salle. Ça, on récupère ce graphique. Ah, il y a encore des salles à gauche là. C'est quoi ce bloc là? Bloc rayon. Je sais plus ce que c'est ça. Hop là! Le TP Sian, où est-ce qu'il va nous amener? Tous les portails sont maintenant connectés, parfait. Attendez, il y a... Je l'avais déjà en fait, il était à Burenia. Non, je l'avais pas. Je l'avais pas parce qu'il est caché ici. D'accord, ok. Bon alors, avant de utiliser un machin... Réflexion. Il y a des choses cachées là. J'irais bien les récupérer. Bloc rayon, c'est quoi ça, bloc rayon déjà? On va faire le tour comme ça et on va aller les récupérer. On ira prendre le TP après. Je peux passer maintenant. J'aille en haut. Bon, du coup, j'ai pas vu par en bas, il y a des blocs cachés. Ah, mais c'est encore des blocs. Des blocs puissance. Est-ce que si je fais ça, ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Plus. Mince, 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 ça m'arrange pas. Il y a ça là. Donc il y a un passage par là-haut. Il y a un passage.
Alors, demi-tour. Demi-tour. Demi-tour ici. Non, demi-tour là-bas. Bloc bombe ici. C'est ouvert un truc. Dans le tour, punaise. Tour par là-haut. J'espère que ça restera cassé du coup. Comment j'ai pu le rater ça en vrai? C'est de l'autre côté? Là, par contre, on va voir. Hop là. Voilà. Et maintenant, on passe. Naze. Hop là, ça suffit. Et là, il y a une grande salle. Une grande salle qui mène. Ici. Avec un autre bloc caché sur la gauche. Non. D'accord. Là, ça va être des blocs. Voilà, sinon c'est pas drôle. Bon, ça reste des missiles. À la base, je voulais clean la map. Donc on va faire demi-tour.
Ça c'est fait, c'est ouvert. C'est déjà plus agréable. Mais là par contre ça je sais pas. Ça je sais pas le gérer du tout. Bon, go t'épaissant maintenant. Ouais, faut faire le tour. Hop là, on peut enlever le marqueur et prendre le TP. Ici. Et voilà, maintenant ça c'est ouvert. On est à Burenia. Burenia c'est laquelle? Nous on vient de là, hein, Ferenia. On est à Burenia. Il y avait des choses à clean un peu à Burenia. J'aurais vite fait le contour de la carte. C'est grand hein, comme zone. Ouais. Ici, blond, tout en bas. Vraiment le plus en bas possible. Il y a des marques. Pourquoi j'ai mis des marqueurs là? Ah oui, parce que j'ai vu autre chose de l'autre côté. Donc il y a quelque chose par là, probablement. En même temps, vu le trou qu'il y a là. Là, il y a quoi? Les blocs accélération. Ça, pareil, je sais pas à quoi. Ceux-là, je les comprends pas vraiment. Ok, du coup, on va tout en bas et je suis ici. Donc, pour aller tout en bas, je descends, je vais à droite. Petit passage, tac-tac, zigzag. On va s'amuser.
Ensuite, grande salle en bas à gauche. Tout droit en bas à droite. Oh non, non, non. Mais non. Comment voulez-vous... Attendez. Sauf si... Non, ça fonctionne pas. Je sais, je vais... Des blocs de puissance en étant boule, je sais pas gérer ça. Je sais pas du tout gérer. Hein. Donc il y a quelque chose là. Mais quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je peux pas courir en étant en bombe. Je peux pas accélérer. Et non. Sinon, ce serait trop simple. Ce serait trop simple, oui. Ça, je ne sais pas. Il y a quelque chose là, mais je sais pas. Du coup, on va remonter. Ha! Et oui, forcément. Il va falloir récupérer. Y'a pas un truc à régène pas loin là? En fait si, c'est méga loin quoi. Missile obtenu, missile obtenu. J'aurais dû régène avant. Ah c'est beaucoup trop loin là. Beaucoup trop loin. Ou alors faudrait que je remonte. On va essayer de faire comme ça. Hop là, ah bah tiens, justement, ah non c'est de l'énergie ça, mince. Peut-être une pour t'aider mais je connais pas du tout le gameplay donc peut-être inutile, bah donne tout. Faudrait que je remonte ici. C'était pas là, c'était au-dessus encore. Et là, il y a ces fameux blocs là de nouveau, au secours. Je vais aller là-haut. Hein. J'ai entendu la réponse, j'ai dit oui, vas-y. Non, ça me remonte par contre, c'est gentil. Voilà. Et là, il y a des choses cachées ici, de nouveau.
Voilà, là il y a des blocs là. Mais j'ai pas un moyen de régénérer quelque part là, ça me paraît. Recharge de munitions aussi, donc tout en droite. On va recharger les munitions. Oh punaise, attendez. Ça prend les dégâts. Voilà, une ouverture, punaise. Allez. Quand tu veux, s'amuse par contre. Comment je fais pour monter là en fait? Je sais plus. Comment j'ai fait ça? Il faut utiliser le mode comète pour passer les blocs. Oui! Et ça, j'avais bien compris ça. Je sais pas le faire. Les petits comme ça. Hop là, ici là. Là, ici, là, en boule, je ne peux pas utiliser le mode comète en fait. C'est beaucoup trop bas et je suis en mode boule donc je ne peux pas l'utiliser. Bon, de toute façon, j'ai besoin de recharger. En l'étant avant se mettre en boule. Est-ce que j'ai un speed quelque part? Il me faudrait une longue. Ici. Non, ça fait un temps de chargement entre les portes. Ah punaise, non, ça peut fonctionner. Alors attends. Bon. Demi-tour. Maintenant, il va falloir faire preuve de skill. Pardon, je passe. Baleine qui va m'embêter par contre. Avant. Pardon la baleine. Comment j'ai fait? Non, ça... Pas que je glisse en dash ou en truc par en dessous, faut vraiment que je sois en boule.
Boule, boule. Oui, non, je l'avais. Je l'avais. On recommence. Tac. Non plus. Putain, mais ça se joue à rien. Hein. Go. Je l'avais et je l'ai relâché. Non, je sais pas. On va repartir du bout. Ça me fait perdre la boule quand je tombe ici. Dès que je tombe, je repère le truc. Ça veut dire que j'ai ce petit espace pour... C'est pas possible. Bon. Il y a moyen de faire quelque chose que je ne comprends pas. Il y a déjà une info en plus, c'est pas mal. C'est par en haut qu'il fallait passer, pas vrai? Bah oui. Ah, quoi que non, c'est cassé, c'est bon. Allez, s'amuse. Ah, punaise, c'est des blocs vides. Ça veut dire qu'il y a un passage sur la... Par là, là? Donc en gros, ça sera par ici qu'il faudra tomber pour récupérer ici. Oh, punaise. Allez, tout à l'heure j'ai réussi, je vais le refaire quand même. Voilà. Je peux plus faire le saut Super Saiyan. La pop ici, mais j'arrive pas à le faire. Et en vrai, en étant en boule dans la petite zone, c'est pas possible. Oh ouais, fier moi. Ah mais attendez, ils vont vers la droite. Vers la droite? Pourquoi vers la droite? Y'a rien de caché ici. Il y a des blocs, je suis désolé, mais c'est moi qui débloque à force. Vite, il me repop. Hop. Non. Bon, tant pis, j'aurais pas une belle map ici. Alors ça, je peux l'enlever du coup. Il y a bien quelque chose là.
en partance de là. Est-ce que c'était tout? Je crois que oui. C'est déjà beaucoup en vrai. Zone suivante. Carte globale. J'aimerais bien faire un tour vite fait à Elin. Ici, il y a des choses pas jolies à Elin. Et Elin, il faut passer par Gavoran. Et il y a un bloc bombe de puissance ici. Donc on va aller à Elin. Tout ça pour récupérer ça en vrai. Et nettoyer ici. Donc pour aller à Elin, il faut passer par Gavoran. Et celui-ci, le TP vert, il va vers Gavoran. Ah mais oui, mais je peux me TP n'importe où maintenant. C'est vrai. Alors j'ai dit que je voulais aller à L1 et le TP le plus proche c'est le TP vert. Parfait. Très bien, alors tant qu'on est là, enfin Gavoran ça reste une très grande map, hein. Enfin, comparé aux autres elle est pas si grande que ça. Bon, est-ce qu'il y a des choses cachées? Là il y a une réserve de missiles que j'ai jamais récupérée là, sérieux? Ça m'étonne. Là aussi. Très bien. Rien récupéré ici. Voir directement ça sur la droite. Bloc accélération par le haut, bien sûr. Punaise. Ok. Alors, on va commencer par ce qu'il y a ici. Et en vrai, on va voir. L'accès est verrouillé. Il faut que j'aille de... J'accède de l'autre côté. Il faudrait que j'accède ici, de l'autre côté. C'est une blague. Et là c'est fermé. Ça me ferait tomber ici pour remonter. Ok. Non, je veux pas le rebattre par contre. Hein. Pardon, hein, mais je le rebats pas. Hein.
Ah punaise, c'est ici. Alors attendez. Voilà. Et là c'est ouvert. Donc normalement je peux repartir. Je peux. J'y arrive. Allez là. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est gratuit. Là, il n'y avait pas de marqueur, très bien. J'irais bien jeter un œil en haut, voir vite fait de quel type de bloc d'accélération c'est. Mais par contre, ça va être difficile. Hein. Bloc d'accélération de côté, génial. Donc c'est pas ce que je veux. Dans ce cas, je redescends par quel côté? Y a un marqueur là, mais pour y aller, je passe par. Là, hein. Ici là en vrai et je suis ici. Ah oui, mais il faut y accéder là en fait, donc non. Donc ça veut dire qu'il faut que je passe et là l'accès est verrouillé. Et il y a cette chose aussi là, il y a lui là. Je redescends tout simplement. Alors, là, il y a une histoire de grappin. Mais pas seulement. Voilà, ça c'est fait. Lui, il est ouvert. C'est un moment que c'était pas ouvert. Alors, il y a lui ici. Comment je vais le faire? Et ça, on va l'ouvrir aussi au passage. Là, si je veux attraper lui, comment est-ce que je vais faire? Alors déjà lui. Oh, je peux geler. D'accord. Ça, c'est une bonne nouvelle. Yes! Enfin, un truc intéressant, je sais pas. Non, sérieux. Un module d'énergie, d'accord, je prends, hein. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais je prends, très bien. Donc là-haut on a dit que non, maintenant je dois descendre. Descendre,
c'était... Stop, stop. Stop. Samus à quoi faire. Oui, très bien. Ah, y a une histoire comme ça. C'est vraiment un truc avec eux, ils vont m'embêter. Ouais, c'est ça. C'est d'abord Y. Ça, on fait comme ça. Ensuite, on s'accroche, on attend. C'est une idée comme ça, en gros faut aller vite et attraper ça, bon, c'est pas grave. Celui-là, c'était juste pour dire il est là. C'est pas extrêmement important. Ensuite, il y a lui là. Je descends tout le vert. Non, je descends pas tout le vert justement. C'est je vais là et je passe par en haut. Après tout là c'est que voilà, ça sont que des blocs précis. Ça on escape. Ça je récupère. Et je peux pas remonter par là. Donc le demi-tour. Ok, obligé de faire demi-tour concrètement. Il faut descendre. Non, c'était là, je suis bête.
fait. On va enlever ça, parce que du coup c'est clean. Et j'ai pas enlevé l'autre, celui-là c'est bon. J'ai pas enlevé l'autre ici, c'est bon. Et c'est tout. Ce qui est déjà pas mal en vrai. Lui on a dit que j'y arrivais pas. Et là-haut on s'en fiche pour le... Enfin on s'en fiche pas, mais j'y arrive pas non plus. Et je voulais aller où ensuite? À Elune. Oui, j'y suis pas allé à Elune, c'est ça. Donc c'est par Gavoran. Et le passage à Elune, il est ici, c'est le violet du milieu. Et pour ça, demi-tour. Direction Elune. Alors, on va clean la grande salle là qui est pas propre. J'ai toujours pas sauvegardé, hein, parce que j'ai pas tout fini. Voilà. Voilà. Là, c'est très propre. Je voulais monter chercher ça, si j'y arrive. Et c'est tout. Petit labyrinthe. Et il y avait des blocs cachés, non ? Voilà, et là par contre... Ça n'a pas pété les blocs précipitiens donc. Alors par contre, Samus, je compte sur toi pour grimper ici, nickel. Et là c'est des blocs de puissance détruits, on va tout droit. La capacité de missile augmente encore et toujours. Je viens de me rendre compte qu'il y a un pourcentage par région. Il
J'ai que 28% des objets de Ferenia. Oui, mais fait. On a fait Ferenia? Non, on n'a pas fait Ferenia. On est d'accord. Hein. Là, j'ai fait Anubia. Et il y a 66%. 66%? Attends, mais c'est pas possible. Il y en a 1. 2. Si j'ai pris que 2 objets, ça veut dire qu'il en manque 1. C'est les derniers 33%. Et là, de toute façon, ici, il y a une salle. Ça, de toute façon, c'est une salle. Sinon, il n'y aurait pas ce trait vert, là. Ça, c'est une salle. Donc, mais comment y accéder? Mais il manque un objet. C'est pas possible. Anubia, il me manquerait un item. Ok. Gavoran, je suis à 80%. Alors par contre, je vais supposer que ça, ça fait partie du pourcentage qui manque. Et que là-haut, il y a quelque chose aussi. Donc je vais supposer que les deux qui me manquent à Gavoran, c'est... Ils sont déjà marqués. Et l'une, je suis à 75%. Donc il y en a combien là? Il y en a 1, 2 que je viens de récupérer, 3. Donc, ça voudrait dire que là aussi, il me manque un item à Elune. Un seul. Il y a un truc là. Punaise, il y a un truc ici. Où je suis tout en haut. Le moyen plus rapide pour descendre, c'est de redescendre par la droite. Ouais. Un item. C'est la plus petite région, donc c'est censé être là où je dois me perdre le moins. Il y a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il va y avoir une carte des objets. En vrai, il doit y avoir une carte des objets.
Oui, là je triche. Et lune. Ouvrir dans un nouvel onglet. Oh, cette résolution nulle, c'est une photo, quoi. Il y a bien un objet ici. Là où je l'ai marqué, il y a bien un objet, ouais. Punaise. Ça, voir est-ce que ça peut m'aider cet onglet. Non. Donc il y a bien un objet là où j'ai mis un marqueur au final. Il est marqué, c'est déjà pas mal. On va changer de zone. On va aller. Gavron, on avait dit que c'était bon. On avait marqué ce qu'il y avait à marquer. Je pense que ça doit être bon, même si je n'arrivais pas à tout récupérer. Donc on a fait ça, 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 ça. Il manque Ferenia, Dairon, Artaria, Kataris. 66%, 80%, 75%, 70%. Ça va. Par contre, Ferenia à 28%, ça fait mal. 40, 47, 82. 82 Artaria, c'est intéressant. Mais ouais, Ferenia à 28%. J'ai dû rater beaucoup de choses. Déjà, là où il y a quelque chose ici. Rien que là, déjà, bloc rayon. Faut aller ici. Rien que là déjà, il y a quelque chose ici. Par Gavorin. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Ensuite, là, il y a une réserve de missiles. Et il faut passer. Il faut passer par en bas ici là. Alors ouais, cette énigme là par contre dure, très dure. Ou alors. C'est une méga bombe. Et après, c'est de la dextérité. Mais faut recharger si je me rate, quoi. Ensuite, ici, il y a une autre réserve de missiles. Avec des blocs cachés. Je n'ai pas. Là, on l'avait déjà mis, le module d'énergie, avec ces fichus blocs d'accélération que je ne maîtrise pas. Là, pareil, grande réserve de missiles. Ah, je peux pas marquer plus de... Ah ouais. Même si j'ai jamais de... Même si c'est d'autres couleurs... D'accord, bon, soit. Là, il y a une réserve de puissance. Bloc-bombe de puissance. Ah ben oui, ça, on peut le faire, celui-là. Celui-là, on peut le faire. En plein milieu de la map, là, on retient. Là, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, il faut passer par ce côté. Donc si ça, je pense que c'est faisable. Regardez la map s'il n'y a pas des traits parfaits. Là, il y a un truc ici. Donc, ça veut dire que quelque part
Non, il s'ouvre de ce côté-là. Donc là, il y a des blocs cachés ici. Il est marqué de toute façon. Et voilà. Eh ben, il y a du boulot. Il y a du boulot. On va aller à Ferenia, du coup. Et pour ça, on va passer par là. Oh punaise, un truc de sorte. Il m'a fait peur lui. Ok, donc Ferenia, faut que je remonte, donc je vais à gauche, petite remontée. Oh, ça devrait être rapide. D'accord, je pensais pas que la baleine était si faible en vrai. Allez, direction Ferenia, on va essayer de récupérer ce qu'on peut. C'est bien de monter le pourcentage des objets au-dessus de 50% à Ferenia. Je m'attendais pas à ce que j'en avais si. J'en ai si peu. C'est français ça? Du coup, c'est mort, hein, le 100%, on a bien compris. Ça sera pas fait en live. Mais au moins j'essaye d'indiquer vous indiquer sur la map là où il y a des choses qui pourraient être secrètes ou qui sont en effet secrètes. Alors, tout de suite en haut, tout simplement, tout de suite en haut en fait.
Oh punaise, c'est des blocs précipices. Je m'entraîne sur... C'est pas comme ça. Alors lui va m'embêter. Voilà. Ce sont des... Oh là là, j'ai pas vu. Ce sont des blocs précipices, punaise. Il y a une grande salle là-haut. Une grande salle, une moyenne salle en vrai. Je vois pas par quel autre moyen passer. C'est forcément là. Faut que je m'entraîne sur un truc. Alors, bon. Si je fais ça. J'ai même pas besoin d'appuyer en fait. Non, ça, je vais utiliser la grande bombe, c'est pas bon. Donc, normalement, si je gère bien, il va pas arriver forcément. Suis censé me donner l'élan. Alors pas comme ça du coup. Ou alors. Y a pas des blocs cachés ici par hasard? Et non. Ce qui m'embête, c'est que c'est vraiment des... J'ai l'impression qu'il y a deux salles. Enfin, trois du coup. Enfin, c'est un couloir ça. Mais là, il y a une salle là. Comment est-ce du coup? Comment est-ce? Parce que la grande bombe ne pète pas les blocs précipices. Ça, je m'en étais bien rendu compte. Bon, on va réfléchir autrement. On va réfléchir autrement. En attendant, on va aller ailleurs. Et ce ailleurs, c'est ici en bas. Ah, punaise, encore un bloc précipice. Faut passer par l'autre côté. Et oui, faut passer par l'autre côté. Donc, en gros, passer par là. Donc on refait demi-tour. Déjà un item ici. Et là, faut que j'aille en bas. Top rayon partout. Tac. Il n'y avait pas d'item là, on est d'accord. Je descends et je vais sur la droite. Tout à l'heure là en fait. On est allé là tout à l'heure en fait, attendez. J'ai dit que j'y arrivais pas là non plus.
Voilà, maintenant j'y arrive. Tout simplement. Bon, celui-là c'est fait. On peut l'enlever. Ça c'est fait. Je reviens ici. Je descends. Celui-là. Mais je suis obligé de passer par là. Donc on va passer par là. Pareil, hein, bloc précipice, bloc rayon pour récupérer ça. Je peux pas le récupérer, je sais pas le faire. Mais au moins, il est pas marqué. Il va être marqué, si j'y arrive. Ici, on marque ici. On va. On monte et on va dans le vert. Capacité à 6. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Très bien. On va récupérer des munitions là au passage si j'en ai besoin. On passe à 42% d'objets de Ferenia. C'est pas mal ça. Quasiment doublé. Je descends à droite. On va dans cette partie là. Allez go. Quel type de bloc est-ce ? Et un module d'énergie. Ça aussi c'est récupéré, c'est gratuit. On enlève le marqueur. Et on va aller ailleurs. 50% d'objets de Ferenia. Donc un objet c'est... c'était combien ? 42 j'ai dit ? Je sais plus. J'aurais voulu savoir combien un objet est égal combien de pourcents. Il faut monter. Donc je dois refaire le grand tour. Ouais, faut que je refasse le grand tour. Yes, amuse. J'ai pas envie de refaire le grand tour en fait. Ah quand même. Alors, maintenant que je suis ici. Je voulais aller où? Ah oui, là-haut. On finit le verre.
Alors là, quels sont ces petites boxes? Oh punaise, il y a des blocs précis partout. Hop là, on reste là. Que j'ai comment le réflexe ici? C'est un truc de munitions ou pas? Recharge d'énergie. Voilà, et là de nouveau une plante. Je vois pas comment tirer le machin. Ça veut dire. Attendez, est-ce que je peux me mettre. Je voudrais essayer de m'accrocher. Voilà. Je vais m'accrocher. Là en fait ce que je vais faire c'est. Tac, voilà. Ça mais de l'autre côté. Là je tombe hein. C'est affreux hein. Punaise, c'est l'énergie en plus, c'est même pas les munitions. Et là il y a bien un truc. Et après faut tirer le machin. Mais je peux pas tirer le machin. Faut vraiment que je me suspende de ce côté hein. J'arrive à me suspendre ici. Bon, faut avoir beaucoup d'extérité. Bon, il y a un truc ici. Hein. Donc là, il y a un objet, forcément. Et sinon, 50% de Ferenia. Toujours. Donc ça voudrait dire que, en comptant celui-là, ça fait 1, 2, 3. 4, 5, 5. Ça fait 5 items, mais là il y a une salle là. Enfin non, c'est un passage, mais il y a un item là, ça fait 5 items. Bon, c'est déjà pas mal pour Ferenia. J'ai rien d'autre à y faire pour le moment. Artaria, c'est bien avancé. Mais là, il va falloir passer par Deron. Et pour... Attendez, déjà. De Ferenia, pour aller à Deron, on va où? Il y a deux ascenseurs. C'est quoi le plus mieux? C'est le TP? Le mieux, c'est d'aller au TP, hein. Le mieux c'est d'aller au TP. Allez go. C'est par là. Ah non. On va à Deron et après il faudra aller à Kataris, donc par là, donc on va plutôt accéder, on va plutôt s'amuser de ce côté d'abord, ici.
Ok. Alors. Sachant que la map est même pas propre du tout en fait. Mais pas du tout. Et ça faisait très longtemps qu'on n'était pas allé à Deron. Très très longtemps même. Je pense que. Où suis-je? Attendez, sur la map, je suis très loin. Je suis très très loin. Je vais descendre, on va clean la zone rouge. Et ça fait... Mais il y a peut-être même des trucs cachés que j'ai jamais vu en vrai. Parce que le truc du pouvoir, on l'a pas trop utilisé ici. Pardon, je passe. Ah, des blocs accélération encore. Bon, ceux-là, peut-être qu'on va pouvoir les gérer. Voilà. Ça, c'est fait. Ceux-là, c'était fait. C'était fermé, là. C'était fermé ici, tiens donc. C'est étonnant. Des blocs, punaise. Je savais qu'il y avait des blocs cachés ici. Alors attendez, faut que je m'accroche. Voilà. Ça, on récupère. Ça c'est gratuit, donc il y avait bien un truc là. Ça c'est ouvert, hein. Ouais, c'est ouvert. Ça nous permet de remonter là-haut. Ça c'est une bonne chose. On revient ici. Ça, on récupère. Maintenant que ça c'est joli, on peut l'enlever, le petit marqueur. Direct 55% de déron. Tiens bon. Et on va se balader. J'ai presque envie de clean d'abord la partie droite en vrai. Cette grande salle. Je pense que là tout est bon, hein, de ce côté. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de caché là. Ça a pas l'air d'être très très secret là pour le moment. Pour moi. Ah, jaune. Faut que je passe. Je suis où là?
en bas, tout en bas. Je peux casser ça ou pas? Non, c'est que les... Non. La machine ne se casse pas. Ah mais il y a un truc là aussi, tiens donc. Que j'avais jamais cassé. J'avais complètement zappé ça. Et maintenant... On peut descendre, oui c'est pas gênant. Allez, de nouveau, la bombe, on récupère de nouveau des trucs. Donc ça on peut l'enlever, 60%. Sur la gauche maintenant, il y a un truc ici, on va y aller de suite. Oh punaise. Mais en plus c'est que c'est y a un méga bloc précipice quoi. Pareil, ça va être une question de dextérité. Donc je ne sais point. Donc celui-là, on le laisse là. Ensuite, là-haut, c'est propre. Ça, non, là-haut ici, c'est pas propre. Donc on y va. C'était bien là-haut. Je me trompe là. Ah ici. Là. Y a pas des blocs cachés là? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ils sont marqués. Hein. Ils sont marqués. Mais très surprenant. Non, sérieux. Quoi sert-il? Il y a une grande salle ici là? Il y a quelque chose en bas, oui, par contre.
c'est resté congelé ça. Étonnant. Eh oui, punaise. Ce sont aussi des blocs précipices. Donc il faut pas que je me fie. Comment je vais faire ? Je sais plus comment. Glissade, mode visée, mode missile, bloc caché, carte, frappe de riposte, canon oméga. Comment on fait déjà? Bon, j'arrive. Mais là, il y a quelque chose à péter. Et là, ça se pète forcément. Mais par contre, pourquoi dans ce sens-là? Ça, je comprends pas. Il y a des choses sur la gauche. Il y a lui ici. On va redescendre dans le vert. Et maintenant. De l'autre côté. Il y a quelque chose ici. Ok, je pense savoir ce que c'est. Voilà, celui-là c'est fait. Ok, 65. Donc en gros, un item égale 5. Ça fait 70, 75, 80, 85, 90. Il manque 7 items. 7 ? 7. Donc, 1. Peut-être 2. 3. Et après c'est du mystère. C'est du mystère après. Hein. On va se diriger par là. Ouais, on va faire ça.
bien devant. Pas des blocs bleus. Ça va être encore des jaunes. Punaise, encore des jaunes? Sérieusement? Je viens de me rendre compte de quelque chose. Il y a une porte verte ici. Allez, on ouvre une porte verte. Une zone qui ne fermait pas. Je vais m'en mettre bien encore, voilà. Et... des blocs de puissance. Mais pourquoi il y a un... rien lui. D'accord, il sert pas à rien. Je vais devoir être très rapide. Ça l'a pas pété. Et ça apporte une réserve de puissance encore. Bon, on avait 17. Donc... 1. 2. 3, 4. On va passer par en bas. Hop, oh, punaise, on va pas forcément passer par en bas. Moi j'ai ça. Ça apporte rien d'autre qu'en rafale. En bas, ici là. Non. Rien ici. Thank you.
Rien de caché nulle part. Vraiment rien d'intéressant ici. Ouais. Là il y a déjà un truc. On peut remonter là ou pas? Pas sûr hein. Si je veux remonter, faut que je revienne ici, sur cette porte. Maintenant je suis ici. Je voulais aller où? En bas. Et voir s'il n'y a pas des choses tout seul. Rien là. Faut remonter. Allez, ça, c'est fait. Ok, donc ça c'est clean. Maintenant, il faut que j'aille dans la zone bleue là-haut.
Ok, alors en bleu. Mais non, j'en viens de là en fait. Je suis bête. J'en viens déjà. Donc, non, 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 demi-tour, demi-tour. On est à 70%, on avait dit à peu près 5%, donc ça veut dire 6 items. Donc 1, 2, 3, 4. Deux. Je pense qu'il y a un truc là, je suis pas sûr. Et là, ça me paraît trop trop vide en bas en fait. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici, mais comment y accéder, je comprends pas trop. Je pense qu'il y a un truc. Donc ça ferait 1, 2, ça ferait 5 items. Il manquerait peut-être un encore. Caché quelque part. Peut-être là. Non, il y a déjà un passage. Peut-être là. Ça me paraît bizarre aussi. Quoique, en vrai. De toute façon, la prochaine zone, c'est Kataris. Donc, il faut que j'aille vers Kataris. Et là, j'ai pas tout fouillé. Il y a déjà un item là. Donc là, je pense qu'il n'y a pas d'autre item en vrai. Quoique, là, à voir. Bon, bah, direction. Cette zone verte et je suis au fond là-bas. Toujours pas save depuis le boss de fin. Jeter un œil là-haut. Non, rien de plus. Bon. Soit. Donc ça nous fait un Deron à 70, Ferenia à 50, ça me fait un peu mal ça. 66, 80. Ok. Donc direction. Kataris. Mais on va commencer à faire du repérage. Je vais arriver par où? Je vais arriver par là-haut. Peut-être des choses à clean avant. On est à 47% de. 47? 7? C'est bizarre 7. Bizarre, donc plein de choses cachées, je pense. Bloc rayon, bloc bombe, bloc missile, rayon, bombe. Ça en fait, il y a peut-être moyen hein. Là, ici, donc là, il y a un marqueur. De toute façon, c'est une des choses qu'il va falloir que je fasse.
un truc ici que j'ai pas pris. Là, il y a quelque chose là. Il va falloir retourner chez Cred. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose chez Cred encore. En vrai, je pourrais juste mettre un marqueur chez Cred en entier. Ce serait pareil, je pense. Il y a, ouais, il y a toute la zone en bas. Toute la zone en bas. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose en haut ici que j'ai pas récupéré non plus. Il ne reste plus du tout de marqueur. C'est génial. Accès verrouillé, ça va falloir passer de l'autre côté encore une fois. Ok, donc Qataris, c'est vraiment, il y a un peu de taf à faire. Y a un peu de boulot à faire à Qataris. Et j'ai dit que je vais arriver de quel côté? Ici. Donc on va faire toute la partie grise là. On va faire la partie rouge. On va remonter cette petite partie grise là. Et après on improvise. Allez, direction Qataris. Des blocs cachés, je l'avais dit. Punaise, encore des blocs d'accélération, sérieusement. À quoi ils servent? Pour ouvrir une porte ici. Je sais pas. Je me dis que je devais aller où? Oui, rouge. D'accord. Ah! Il y a un cobra à quoi il sert lui? Un truc là? Bah non, ça sert à rien. En bas d'abord.
d'abord la zone en bas. Pour un TP. Cette zone grise là, en remontant. J'avais noté quelque chose. Ouais. Donc là, tac. Non. Voilà, ça c'est fait. Hop là, et d'un. On peut enlever le marqueur. Verrouillé. On doit forcément passer de l'autre côté.
Passer par la porte verte. Il faudra passer par la porte verte. On a pour faire demi-tour. Ok. On va pouvoir passer par la sauvegarde. Sauvegarder d'ailleurs, ça fait longtemps. Bien. Maintenant que je suis ici. Je suis allé jusqu'à là, de toute cette zone. Donc toute cette zone là est faite. Donc là, il faut que je m'attaque à la partie verte. Il y a du boulot, il y a du boulot. Vu, hein. Hop là, le missile. Il n'y avait pas de marqueur là. Il n'y avait pas de marqueur. Donc ça fait des items en plus. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par là, en bas, à droite, faire ce petit trajet là, tac, remonter, clean ce qui me manquera ici. Ouais, on va faire comme ça. Fait le bout là? Oui.
Ok. Toute la partie verte ici est faite. En 2-2. Mais ça a été fait. Donc je viens de là. J'ai fait ça. Cette partie-là, je l'ai laissée de côté. J'aurais pu la faire en vrai. On va faire ce petit bout là, ce bout de save, et on va faire à droite. Oui, je suis là. Maintenant, dans cette zone là. Réponse affirmée. Non. Ah. Voilà. Ils ont oublié des items cachés, en voilà. Et je l'ai comment celui-là? Là, faut m'expliquer comment celui-là je peux l'avoir. Vraiment là. Là, celui-là, je joue. Par contre, j'aimerais remonter. Par contre, si ça vous dérange. Merci. Alors, non. Est-ce que j'ai le droit de mettre un marqueur ou pas? Il m'en reste. Très bien, ce bout là est fait, on va remonter par le petit passage si j'y arrive, et poursuivre sur la gauche. Celui-là pour l'avoir, ce thème là. Allez là. On va faire ça vite fait. Hop là. Par en haut, par en bas, peu importe, ça revient au même. Il y a un truc à casser là-haut.
sûr, c'est gratuit. Il reste à remonter. Et ouais, et ça j'ai pas fait non plus. Qui débloque le chien. Ça on l'a fait. Et je suis passé par là-haut. Ok. Bon, alors, tout le vert est fait. Toute cette zone-là est faite jusqu'au passage d'Artaria. Donc maintenant, et notez bien sûr l'item que je vais galérer à avoir. Donc maintenant, je vais accéder là. Ouais. Je vais accéder ici. Zone jaune, zone grise. Zone rouge au passage. Donc faut que je descende ici. Sauvegarde. Ensuite, hop. On l'a vu. De monde là. Ouais. Voilà, c'est du rose, c'est fait. À la limite, je pourrais aller jusque là. Parce qu'après, il faudra juste la redescendre. Donc, je vais faire ça. Voilà, tac. Du moins, et après on revient ici, c'est là où je devrais aller. Demi-tour, zone qui m'embête. Là, il n'y a rien de spécifique. Donc maintenant, je remonte.
Ok, maintenant qu'il y a ici des choses. Non, il y a un marqueur là ou pas? Oui, il y a déjà un marqueur. Très bien. Alors on continue la recherche. Ah, je l'avais pas vu venir lui. Quelque chose. Mais par acquis de conscience. Et là, en bas, on avait nettoyé. Donc maintenant, il faut que je redescende. Donc là, c'est marqué. Que je redescende par ce long couloir ici. Ce long couloir qui va mener pas loin de Cred. Oui. Et là, on retourne voir le Cred. Stop. Là, il y avait un truc, c'était pas marqué, c'était caché, donc c'est bon. Grande salle de Cred à nettoyer. Ressortir et voir ce qu'il y a ici. Ok. Pourquoi je peux pas passer? Pardon. Quoi? C'est une blague? Je peux pas y retourner? Je peux pas y retourner? Mais non. Passe par là. Ah punaise, ça c'était, je l'avais pas prêt, je pouvais pas l'anticiper ça. Bon, d'accord. Donc on fait deux grands demi-tours jusqu'à la zone verte. La zone verte, je passe en bas à gauche. Tant qu'à faire, on va clean la petite boue ici.
même ça au passage en vrai. Donc zone verte, direction zone verte, ça. Je remonte. Ouais, je vais juste remonter tranquillement. C'est vrai que quand j'avais vu ça, quand je l'avais croisé en jeu, j'aurais pu presque voir qu'il y avait un crête quelque part. Ah putain. Ok, maintenant que je suis là. Donc j'ai dit, je clean cette petite zone grise. On va dire jusqu'au bout là. Et je clean après au-dessus de la zone rouge. Okay. Voilà. Et ça, on verra après. En vrai, attendez. Je pourrais aussi clean maintenant, ça, tout ça. Ça sera fait, hein. Sinon, ça va me faire des allers-retours. Allez, la zone rouge. Il y a des blocs cachés en bas, on les a vus. Je suis allé un peu loin là dans mon truc, non? Parce que j'ai pas fait cette zone là. Et ça, je peux le faire au chemin du retour en fait. Je vais remonter. Je vais juste faire ça là. Voilà, ça on les aura. Tac. Pour remonter. Oui, on peut passer des... Cette zone rouge là, elle est pas clean du tout. Sauf là-haut. Et ça, c'est gratuit. On va enlever le marqueur. Ok, zone rouge c'est fait. Donc on va faire cette zone là. Bon, j'ai juste à descendre. Ah, pardon. Ah bah tiens.
Parfait. Mais avant ça, on monte. Alors, sauf que ça, c'est une nouvelle zone, en fait. Je vais voir Craig d'abord, je sais pas comment ça va se passer. On va voir Craig. Wow. Ah oui. D'accord. C'est un labyrinthe. Donc il n'y a qu'un seul chemin. Monte, punaise. Je crois que c'est celui-là. Et de 10. Et pour sortir, c'est pas par là. Ah, ils ont fait ça comme ça. Ah bon, c'est un labyrinthe bien pensé en fait. Hop là, pour sortir, tout simplement. Donc, Crête c'est fait, on va pouvoir aller dans cette fameuse zone que je ne connais pas. Et voilà. Et je fais comment moi maintenant? Il y a toute une zone ici. Hein. Tout ça là. Comment vous voulez que je speed là-dedans? À peine je fais un saut, ça me le casse. En fait. Oh punaise, attendez. C'était pas les mêmes blocs. Voilà. Il s'ouvre de l'autre côté. Il y a un autre passage alors. Il s'ouvre de l'autre côté.
Ouais, bah non. Si, en fait, ce truc bleu, je suis obligé de le tirer du côté où le bleu est indiqué. C'est-à-dire que pour ouvrir ce truc bleu, je dois me situer ici. Ou alors, j'ai pas compris. Mais j'ai toujours fait comme ça depuis le début. Je sais pas. C'est pour ça que il y a un passage quelque part là. Là, il y a un... L'accès est verrouillé, donc ça doit s'ouvrir de l'intérieur. Donc, j'ai raté un épisode par là. J'ai raté un épisode par ici. Toute cette zone en bas, j'y suis jamais allé. C'est quoi qu'il y a derrière? C'est un chauve-eau? Le pauvre. Côté salle du boss, peut-être il y avait quelque chose. Je pensais qu'avec la flèche vers le bas, on pouvait la tirer vers le bas. Non, non, c'est que côté gauche ou droite, ça. Enfin, maintenant tu me mets un doute en vrai. Mais ça, j'ai toujours vu côté gauche et droite. Punaise, attends, si tu me dis qu'on peut tirer, ça veut dire que. Ça n'a pas fonctionné. Là, à chaque fois que je fais. Moi j'ai cassé deux trucs, mais c'est quand même pas ça. C'est bien du côté droit qu'il faut tirer. C'est bien du côté droit. Mais reste à savoir comment accéder là. Ça c'est autre chose. Là, je m'éloigne trop là maintenant. Je m'éloigne beaucoup trop. Si le passage il est absolument pas là, qu'il n'y a aucun bloc caché, bah il est où le passage dans ce cas? Parce que là l'accès il est verrouillé, je ne peux pas ouvrir ça. Ça c'est impossible.
qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans cette grande salle-là qui m'embête et à laquelle j'ai pas accès? J'ai vraiment aucun accès. Là, j'ai scanné toute la zone en termes de blocs cachés. Bon, déjà là, il y a un truc bizarre. Non, tout ça, ça a été scanné aussi. J'ai tout scanné là. Alors, d'après... Il y a un passage là. C'est pas un passage, il y a un item là, quelque part. Il n'y a pas d'autre passage. Il n'y a pas d'autre passage. Donc, soit il faut que j'arrive à tirer ça vers le bas ou à l'ouvrir d'une autre manière. Mais ça, je vois vraiment pas comment. Soit... C'est ça qui m'embête. Punaise, attendez, faut que j'essaye un truc. Redemi-tour. Je me pensais à quelque chose. Je me trompe peut-être, hein, mais je me trompe même sûrement. Il y a de grandes chances que je me trompe. T'es sûr? Punaise! Pourquoi j'y ai pas pensé avant? J'ai une arme qui tire à travers les murs depuis pas longtemps. Comment j'ai fait tout à l'heure? Comme ça. Et 2-3 sur 4. Voilà, ça, ça en fait des systèmes. Qataris à 85%. Normalement, il manque 3 items. Pardon, je passe. Donc, s'il manque 3 items. Alors, déjà, ça, je peux l'enlever. Les 3 items manquants, normalement. Ça, je l'ai pas enlevé. 3 items manquants. Si je peux l'enlever. Il y a lui, parce que faut foncer.
Il y a lui avec une histoire de bloc accélération, donc ça fait un item manquant. Il y a ici avec masse bloc précipice, et là je sais vraiment pas comment faire, ça fait deux items. Et en 3, qu'est-ce qu'il manque? À scanner, il reste cette zone grise ici. Enfin, cette, à partir de là. Ça, là. Et ça. Il reste que ça à scanner. Et il manque quelque part, je pense, en plus des deux déjà notés, il manque, je pense, encore un item. Manquant. Parce que là, il n'y a que deux marqueurs. Hein. Voilà. Une belle avancée de Qataris, quand même. Hein. Finalement, je pensais pas autant. Bon, j'ai découvert une mécanique de jeu dont j'aurais dû me rendre compte bien avant. C'est bien, hein. J'apprends le jeu sur le tas. C'est fermé. Non, c'est ouvert. Ah non, c'est fermé. Normalement, voilà, et là j'ai tout scanné. J'ai tout scanné. 85 de Qataris. Soit ce ne sont que les deux items que j'ai déjà marqués pour arriver à 100%, soit il en manque encore un quelque part. Par contre, où est-ce qu'il est? Bonne question. Très bonne question. Donc, maintenant, direction Artaria. Le reste, j'irai pas fermer à 100% comme j'ai déjà indiqué. J'essaie juste de noter où sont les items qui me manquent et où j'estime qu'ils pourraient être. Là par contre, cette salle ici me perturbe. Non, il n'y a rien de neuf ici. Je me permets une réflexion, mais non, il n'y a rien de neuf. Il ne manquerait qu'un seul item. Là, il y a un peu de boulot, je pense, encore. En vrai, il faudrait péter ça. Accélérer. S'il y a peut-être moyen de faire un truc ici. Mais je le ferai peut-être de mon côté. C'est qu'on est quand même à 80%. Là, il y a des blocs précipices qui m'embêtent. Au final, ce qui m'embête le plus, ce sont les blocs précipices. Il n'y a pas d'autre chose sur la map qui me perturbe plus que ça.
Ferenia. Ferenia, 50%. Par contre, Ferenia, récupérer les items là-dedans, là, c'est une horreur. Là, c'est vraiment une horreur. Et je pense que même marqué, il doit encore m'en manquer. Et là, d'ailleurs, ça c'est toute une salle ici, mais bon, voilà. Et lune, on l'a vu. Et lune, il doit manquer un item. Et je supposais que c'est ici, l'histoire de bloc accélération. Donc là, pareil, en partant de là. Burenia, il manque certains items aussi. Comment je l'ai pas eu celui-là? Pardon, mais celui-là, comment je l'ai pas eu? Comment j'ai fait pour pas l'avoir celui-là? Pardon, hein, mais celui-là, je suis censé l'avoir. Là, il y a un passage là. Mais là, ce sont des blocs précipices. Ça veut dire que je peux pas y accéder. Il faut y accéder par là. Et donc, par ici, avec les blocs accélération de là. Alors là, pour jouer sur l'accélération ici, je vois pas trop comment faire. Et après, il manque pas grand chose en vrai. Bon, je retiens l'item d'ici, j'irai le chercher. Déron, 70% également. Avec. Mais on l'a vu, Déron là. Pareil, de nouveau des blocs précipices, plus des blocs missiles, sinon c'est pas drôle. Donc là, c'est une question de timing. Là, des blocs précipices. Bloc accélération aussi. Et là, je vois pas trop. Là, l'énigme, je l'ai pas. Et ici, il y a quelque chose, là, par contre. Là, il y a vraiment quelque chose. Avec un grand mur de blocs accélération. Mais là, il y a quelque chose. Et vu ce qu'il y a ici en bas, là, je pense qu'il y a une autre salle encore. Là, ici, là. D'ailleurs, des ronds. On va regarder, hein, en fait. On va regarder. Urania. Des ronds. Ouais, c'est ça. Faut casser ces blocs là. Là, il y a un long couloir qui descend. Et d'autres blocs, je vais du mal à estimer ce que c'est. Ici, apparemment, il y a un item là. Et là, il y a une grande salle. Il y a vraiment une grande salle. C'est un boss? Attendez. Je sais pas. Il y a une grande salle. Je sais pas s'il y a un. Non, ça m'étonnerait, j'ai fait tous les boss. Les boss sont linéaires. Et j'ai tous les pouvoirs. Donc non, c'est pas un boss, c'est pas une salle de boss. Bon, ça reste une grande salle, mais c'est pas une salle de boss. Voilà. Je compare avec ce que je vois là. Ça a l'air d'être pas mal. Tac. Kataris, on y est là. Burenia, je l'ai dit. Direction Artaria en fait. Direction Artaria. Artaria, il doit pas manquer grand chose. Si j'appuie pas sur le bouton, ça va pas le faire.
Et j'arrive de la droite. Et 82%, est-ce qu'il y avait des choses que j'avais déjà notées? Oui. Pourquoi j'ai mis un marqueur là? Ah oui, par rapport à ça, où j'étais pas allé. Ok. J'ai trois marqueurs quelque part. Ici. Oh punaise, encore les blocs accélération. Ouais, non, mais les... là, ça veut dire qu'il faut que je fasse une manœuvre. Faut que j'accélère de là. Là, si je marche sur ça, ça se... Faut que je fasse un saut supplémentaire. Ça me donne très très peu de marge de manœuvre, ça, en vrai. Très très peu de marge de manœuvre. Donc là, il y a un truc d'écrit. Ensuite, je compare avec ce que j'ai sous les yeux pour aller un peu plus vite. Ça a l'air d'être bon ici. Comme ça, je vais pas m'amuser à tout scanner non plus. Là, ça a l'air d'être bon. J'avais un passage là. Bah là, pareil. Ça, je peux tirer à travers. Donc là, je peux aller m'occuper de ça. En vrai, je pense que... Je sais pas s'il y a un item là, en vrai. Là, on va clean ce truc qui est pas propre. Là, pareil. Faut descendre. Je descends là, voyons voir. Là, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Côté gris. Ça a l'air d'être pas mal aussi. Faut bien que j'aille ici, du coup. Et après, ça a l'air d'être bon aussi. Ça a l'air d'être bon. Ok. Et là, tout est bon. Ok. Donc, en gros, j'ai juste à suivre les marqueurs. Donc, on va commencer par là. Je vais mettre le marqueur bleu, quoique j'ai que trois marqueurs en vrai. Et normalement, ouais. Ok, bah direction je vais passer par en haut. Petit bout là qui est pas propre, tout petit bout. Voilà, c'est mieux. Je préfère ça. Ok.
C'est où que je voulais aller? Si je peux passer par là. Et voilà. Un item. Ça c'est fait. Maintenant il faut revenir sur mes pas. C'est ici. Mais sur le trajet. Je pourrais passer par là sur le trajet. C'est pas propre. Je suis passé par là aussi. Et il faudra que j'aille là-haut aussi. Donc là pour l'instant, c'est je redescends. Allez go. Voilà, ici c'est propre. Maintenant, petit demi-tour, porte d'en haut. Tout droit, et je descends. C'était pas prévu, j'avais oublié ce détail. Plusieurs fois je ne peux pas voir ici. Hein. Hop là, on descend, c'est magnifique. Et c'est maintenant c'est tout propre. Et ensuite, faut remonter tout simplement. Parce qu'il y a un bloc rayon là. Voilà. Comment je vais monter là? Non. Mais non! Là, faut m'expliquer comment j'utilise la puissance de l'accélération. Comment voulez-vous que j'utilise dans cet espace-là? C'est impossible. Quoi qu'il arrive, il y a un item là-dedans. Hein. De toute façon. ...86%. Attendez, j'ai pris un item à Art Arial, ça m'a fait 86%, sérieusement. Bizarre. Comment voulez-vous que je fasse là? Alors là, des challenges difficiles, j'en ai croisé dans Metroid, mais alors celui-là, là...
Là, je... Bon. On voulait clean la salle là-haut, de toute façon. Et voilà, c'est tout propre. Et enfin, je pense qu'en fonction des items, en fait, ça porte pas le même pourcentage. Ça doit être ça le truc. Et enfin, ouais, il y a que deux marqueurs. Ben, on va essayer de rejoindre ça et on va voir si on fait 2-3 drives. Et oui. Non, c'est pas possible. Là, je l'ai pas non plus. Et ça me donne une barre de vie en entier, de toute façon. Voilà. Voilà, je vais aller me poser sur une belle petite sauvegarde. Ça doit être pédophile encore. Voilà. Le temps que je rejoigne la sauvegarde, j'espère sans mourir. Oui, le temps que je rejoigne la sauvegarde. N'hésitez pas à suivre la couche de la synthèse un peu partout sur le réseau. Rejoignez le Discord si c'est pas fait. Suivez la chaîne si c'est pas fait. Au passage, bien d'avoir. Hop là, la sauvegarde. Et du coup, je m'arrête là, vous l'avez compris. Et je vous retrouve demain sur un autre jeu.
Stardridge, c'est de la plateforme aussi, c'est indépendant. Il sort officiellement dans 3-4 jours. Mais il faut qu'on le fasse en avance parce que le développeur nous a envoyé la clé. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je sais pas quoi m'attendre, à part que c'est de la plateforme. Donc du fail à gogo, ça vous vous en doutez. Retour au menu principal. Voilà. Ce soir, il y a Draken qui fera un mode bonus sur la planète au trésor. Demain, je serai dans l'après-midi sur Stardridge. Demain soir, jeu de société, Ticket to Rail, les aventuriers du rail. Mercredi après-midi, Stardridge aussi. Je finirai vraiment tôt mercredi parce que j'ai des obligations. Jeudi, vendredi, Anodyne 2, c'est un Zelda-like. Voilà pour le programme de la semaine. Il y a d'autres choses qui arriveront par la suite, bien entendu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était Jake, c'était Metroid Red. Le jeu est terminé. Il y a eu un petit peu de complétionniste, je suis assez content. D'ailleurs, on en est où du pourcentage, vite fait? 75%. Et franchement, on a bien avancé sur le pourcentage. Donc, plutôt content. Voilà, vous avez toutes les infos. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de vous. Cordialement. Bisous.